L'estampe est un moyen de reproduction et de multiplication d'une œuvre. Quelle est sa nécessité par rapport à une œuvre originale ? Bah, la nécessité d'un tirage de gravure, au sens que la gravure a une possibilité de multiplication, c'est que l'original, on n'en a qu'un, œuvre originale, même si la gravure est une œuvre originale, on peut la multiplier. Et c'est là l'intérêt aussi de la gravure, c'est cette multiplication et pouvoir aussi de la distribuer. Et donc, elle est plus pédagogique puisque elle est par définition en plus grand nombre et aussi moins coûteuse, moins chère. Donc, par rapport au public, oui. Comment tu définirais ça ? L'avantage aussi, effectivement, la multiplication permet aussi un moindre coût à l'achat pour les gens qui veulent avoir des œuvres d'art. Ça permet effectivement, au lieu d'acheter une œuvre d'art unique à un prix quand même bien plus conséquent, d'acquérir une œuvre à un prix qui est plus abordable. À partir du moment où on fait de la gravure, c'est pour multiplier la possibilité d'avoir des collectionneurs d'une façon un petit peu plus large. Et inversement, est-ce qu'on pourrait dire que le nombre, la reproduction, c'est la société de consommation, est-ce qu'il y a quelque chose de vulgaire dans cette reproduction comparée à la noblesse irréfutable de l'original ? Oui, c'est ce qu'on avait dit à Fautrier. Hein. Fautrier avait commencé des œuvres originales, qui, lui, est original, je ne parle pas de gravure, où il incluait cette possibilité de multiplier l'original et de démultiplier en ayant une méthodologie. Et l'action, il s'est fait décrier comme c'était pas possible par ses pairs. Non, le principe de la gravure, c'est être dans cette problématique du papier, et être ailleurs que sur la toile. Donc on a effectivement cette possibilité de multiplication avec la gravure, et c'est tant mieux. Mais pour l'œuvre originale elle-même, c'est une autre vision des choses. Le ruot sur la gravure, est-ce que tu peux y épuiser une veine, le désir d'une thématique, aller au bout d'une thématique en revenant sur la même image? Le ruot, c'est à la fois pour une intervention qui m'est propre au-delà de la gravure. On multiplie avec la gravure, mais le ruot, ça permet d'aller mettre la main dans la gravure. On n'est plus sur la plaque qui va redonner, effectivement, on y met la main. Mais là, le réo, c'est bien y mettre la main, de venir faire des collages, de venir faire des interventions dans la gravure, et d'être au-delà de la gravure, une intervention comme on l'a fait dans la peinture. Et donc, c'est un désir de réauthentifier l'œuvre multiple. Oui, mais... Non, ça reste avant tout pour moi de la gravure. L'esprit reste gravure et l'esprit reste papier. Il est vrai que, et même dans le papier, je vais venir mettre des collages de papier, je vais pas venir mettre des collages de toile. Justement, tu parlais de ces agglomérations, de ces superpositions que tu fais dans tes peintures. Que représente dans ton imaginaire le travail sur le support du papier ? Le papier parle différemment. C'est-à-dire ? La toile, on l'attend. La toile, on vient l'écouter avant de peindre. Le papier, on vient le presser. On vient lui donner de l'ancrage à cœur. Et on vient travailler dans le papier. Alors que sur la toile, on est vraiment sur la toile. On amène des choses sur la toile. Et tu es dans la même verticalité, non ? Pas forcément. Ah non ? Parce que la toile, tu la peins en face à face. Oui, en face à face. Il n'est pas au sol. Tandis que là, à la gravure, on est sur le plan. Voilà. On est sur le plan horizontal et puis à l'envers. Et ça change la vision ? Oui, ça change la vision, bien sûr. Ça change la vision pour deux raisons. À la fois, il faut penser à l'envers et ensuite tirer et se dire ça va être à l'endroit. Qu'est-ce que l'endroit ? Qu'est-ce que l'envers ? On a des surprises. Il y a tout un tas de choses qui arrivent dans la gravure où je comparerais un peu avec le photographe qui est dans son laboratoire et qui va découvrir la photo même s'il l'a eu dans l'œil.
il va la découvrir au moment du révélateur. Les lieux ondines, c'est le lieu des faits de l'eau, des nymphes. D'accord. Oui, c'est un univers.